Bien gauche. On approche ? Oui, approchez-vous. Essayez de vous garer derrière. Mettez-vous derrière. Je pensais que... Il en a pas. Pour la cavalière. Ça va ? Non, là, ils veulent pas trop mauvais caractère. Conseillers généraux, nombreux, je ne vais pas tous vous citer. Mes amis, les maires de la CAD, bonjour. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est pour moi et pour la commune de Sillanas-Cascades un honneur de vous accueillir et d'accueillir cette manifestation, cette inauguration du circuit écologique verte qui rassemble les communes du bord de mer et les communes rurales. Pour une fois, on peut pas dire que les communes du Haut-Var sont oubliées, parce que grâce à ce genre de manifestation, et merci Président, ça lie les communes du bord de mer et les communes du Haut-Var. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui ont participé, et les bénévoles de Sillanas-Cascades, car pour nous, une petite commune comme ça, à accueillir une manifestation comme ça, c'est vrai que c'est compliqué. Je remercie tous les élus qui ont donné de leur temps et je tiens à remercier deux personnes. Deux personnes qui sans elles, la manifestation n'aurait pas pu se dérouler comme ça. C'est Leslie et Gabriella. Merci, un grand merci à vous. Bravo. Encore un grand merci et je passe la parole au président. La parole est à Marc Giraud, président du conseil départemental du Var. Merci Christophe. Il est vrai que depuis que je suis président, j'y viens souvent, là, s'il y a la cascade. Hein. L'année dernière, nous étions là, nous avons même mangé un aioli dans le château et le safran, bien sûr, la fête du safran. Cette année, nous revenons, alors bien sûr, nous partageons ce bonheur. Il y a mon épouse, mais il y a aussi mes amis élus avec moi au conseil départemental. Il y a les amis maires qui m'entourent, et puis les élus des autres communes. Et je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour nous accompagner. Alors il est vrai, comme tu le disais fort justement Christophe, pour une fois, et ça ne fait que commencer, je vous rassure, eh bien c'est le littoral et le haut pays, la ruralité et le littoral qui se rejoignent, 450 km de piste. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que j'en suis vraiment très heureux. Il y aura, je crois, à peu près 20 étapes, puisque c'est jalonné de l'accro jusqu'au Verdon, et donc c'est jalonné d'étapes. Vous pouvez le faire en une semaine quand vous êtes un peu pressé, ou vous pouvez le faire beaucoup plus longtemps quand vous êtes retraité. En tous les cas, c'est une très bonne initiative. Alors, je suis très heureux que tu aies félicité le personnel du conseil départemental, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours à l'honneur, mais c'est vrai qu'ils sont toujours à mes côtés, et je les en remercie. Et puis, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que mon ami Louis Régnier, qui est ici et qui va être nommé vice-président lundi en séance plénière, va prendre la commission de la ruralité. Voilà, je voulais vous le dire officiellement. Donc ce qui sous-entend tout simplement que si vous avez des doléances, il faudra les faire à Louis Régnier, qui me les fera remonter en son temps. Mais voilà, monsieur Ruralité, il est derrière moi. Vous savez que c'est un ami. Mais en tous les cas, il sait de quoi il parle lui aussi. Et avec toutes ces bonnes nouvelles, je voudrais vous dire que nous avons passé un été difficile, ne serait-ce que par rapport au feu de forêt.
que nous avons pris la décision de subventionner le SDIS à hauteur d'un million d'euros supplémentaires, je précise, puisque nous en sommes quand même à 49 millions, ce qui correspond donc à 50 millions. Et que ce million, je le dis surtout aux maires qui sont là, les maires de moins de 5000 habitants, eh bien cet argent-là va permettre aux SDIS de diminuer la participation du SDIS avec les petites communes. Vous voyez comme quoi, vous voyez bien, une fois de plus, et c'est, je pense et j'espère, l'empreinte de ma présidence, eh bien, nous pensons à la fois aux petites communes, bien sûr aux grandes communes, puisque je suis ici du littoral, mais comme je l'ai dit lorsque j'ai été élu président, je serai très certainement plus souvent dans le Haut-Var et dans le Moyen-Var que sur le littoral. Je vous remercie de votre accueil. Nous en avons tous besoin parce que je pense que vous toutes et vous tous qui êtes réunis aujourd'hui avec nous, eh bien, c'est, si nous sommes là, c'est parce que simplement, on aime le Var d'un même cœur. Bravo. Mesdames, messieurs, nous allons maintenant partager le verre de l'amitié. Du parcours au trek qui a été fait ce matin à cheval sur le champ juste en contrebas. On remercie tous les cavaliers d'avoir participé ce matin dans la joie et la bonne humeur. Donc on a fait ce qu'on a pu avec les moyens. Donc en premier, donc arrivé premier avec 3 minutes 16 en comptant les pénalités, le temps chronométré. Nous avons Laura. Laura qui peut venir. Laura, je ne sais pas si vous voulez. Elle est où Laura? La ville de Barbara. Voilà. Voilà, Laura, elle était à l'apéro. Ah, on a notre première. Alors Laura, 3 minutes 16. C'est bien. Ah ouais. Donc, par le petit clown. Voilà, avec sa fleur. Voilà, c'est un chapeau, c'est obligatoire. Hein. Ça se met sur la tête. Hein. Ça se fait comme ça, là, ici. Voilà, les uns ce matin, Laura, au niveau du passage. Et en troisième position, on a Martine. Voilà, c'est une fleur de clown. Voilà. Donc après, je peux annoncer le résultat dans l'ordre. Tous les cavaliers ce matin, donc, ils pourront venir au président du Conseil Général pour récupérer une plaque. Voilà, donc chaque cavalier qui a participé ce matin aura droit donc à une plaque sur cet événement. Bravo! Excellent, merci! J'ai déjà regardé sur la météo, je crois. Ouais, tu es beau. Mais oui, mais c'est bien sûr. Ah, c'est un grand sourire et on me regarde. Ah, tu cours les dents. Non, on parle pas, on regarde et on sourit. Ouais,